Invitée dans Télématin samedi 4 février, Sarah Mortensen a évoqué le succès international de la série Astrid et Raphaël. Un succès qui n'a pas que des avantages pour l'actrice franco-norvégienne. Les fans de la série policière à succès Astrid et Raphaël, diffusée sur France 2, n'attendent qu'une seule chose, la sortie de la saison 4, dont le tournage s'est achevé à la fin du mois de décembre. Le duo d'enquêtrices, campé par Lola Dewar, Raphaël Coste, et Sarah Mortensen, Astrid Nielsen, devrait faire son grand retour à la fin de l'année. Pour aider les amateurs du programme à patienter, Lola Dewar a d'ores et déjà dévoilé quelques informations sur cette nouvelle salve d'épisodes, promettant des intrigues incroyables, comme elle l'a confié à Télé Loisirs. L'actrice avait même annoncé une nouvelle venue au casting. En attendant la sortie de cette quatrième saison, l'autre star d'Astrid et Raphaël, Sarah Mortensen, assure la promotion de la mini-série L'Abîme, diffusée dès le mercredi 8 février sur France 2. Samedi 4 février, l'actrice franco-norvégienne était justement de passage sur le plateau de Télématin. Au cours d'un entretien avec le présentateur Damien Thévenot, Sarah Mortensen a notamment abordé le succès international inattendu d'Astrid et Raphaël. Sarah Mortensen reconnue au restaurant en Norvège. Le présentateur de l'émission matinale de France 2 a d'abord demandé à Sarah Mortensen si on la reconnaissait en Norvège, pays d'origine de sa mère. Si l'actrice a souligné ne pas avoir fait carrière dans sa deuxième patrie, la série est bel et bien diffusée. Difficile désormais pour Sarah Mortensen de passer inaperçue dans cette contrée scandinave. La dernière fois que je suis allé en Norvège, j'étais en train de déjeuner avec mon fils et il y a des gens qui m'ont reconnu, a raconté la comédienne, elle qui a affirmé aimer aller en Norvège parce que personne ne, là, reconnaissait là-bas. Du moins, c'était le cas avant. Mais là, si est-ce un peu la fin des haricots, a-t-elle glissé, avant de s'empresser d'ajouter, visiblement ravie de la réussite de sa série à l'étranger, mais tant mieux. Le beau succès d'Astrid et Raphaël jusqu'au Japon et en Amérique du Sud et la Norvège n'est pas le seul pays à diffuser Astrid et Raphaël. Comme l'a noté Damien Thévenot, la série policière a intéressé plusieurs autres pays. Des propos confirmés par Sarah Mortensen, c'est fou et ça marche très bien en Amérique du Sud et au Japon notamment. Outre l'Amérique du Sud et le Japon, ce sont aussi l'Espagne, l'Italie, la Suisse, le Portugal ou encore le Royaume-Uni qui ont souhaité acquérir les droits de diffusion d'Astrid et Raphaël, comme l'a attesté France Télévisions. Une belle réussite pour le duo de choc. Article écrit en collaboration avec 6 médias. À lire aussi On nous appelait les bonobos, Sarah Mortensen se livre sur ses scènes d'amour avec Gilles Alma dans L'Abîme.